of Kingdoms. Youp, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Rise of, accompagné de Takedo. Salut. Aujourd'hui, une vidéo exceptionnelle. Alors, c'est pas sur Rise of, ça va être sur un autre jeu, parce que nous avons été contactés très récemment pour un partenariat avec une très grosse boîte de jeux sur mobile. Alors, vous les connaissez évidemment depuis longtemps, c'est Tencent et leur studio Timmy. Donc, ils nous ont contactés pour faire un petit partenariat à propos de leur prochain jeu de stratégie. Il faut savoir aussi que Timmy, c'est ceux qui ont fait Call of Duty mobile en 2019 et Arena of Valor en 2016. Voilà, donc c'est pas des débutants, voilà. En gros. Voilà. Donc on a été étonnés qu'ils nous demandent à nous, parce qu'on n'est pas une très grosse chaîne et qu'on cherche pas à être très gros pas forcément à faire des partenariats. Donc c'est pas nous qui les avons démarchés, c'est vraiment eux qui sont venus à nous par email. Puis ensuite, on a fait une petite discussion sur Discord et on a eu droit à quelques petites previews, on va dire, du jeu. Alors on a signé des accords de confidentialité avec eux, donc on peut pas tout vous dévoiler. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est que ce sera donc un jeu de stratégie, un petit peu dans la veine de Rise of Kingdom. Justement, je pense que c'est pour ça aussi qu'ils ont fait appel à nous. Donc ils ont demandé à ce qu'on donne notre avis, votre avis aussi, parce qu'ils ont besoin évidemment de votre avis pour savoir ce que vous aimez dans Rise, ce que vous n'aimez pas, et essayer de trouver un juste équilibre entre ça et leur prochain jeu de stratégie. Alors pour le moment, le jeu ne sera disponible que sous forme d'appli mobile, pas sur PC, mais on pourra quand même y jouer avec BlueStacks, puisque BlueStacks, l'émulateur d'application, appartient aussi à Tencent. Alors on ne peut pas vous montrer d'image pour l'instant, mais visuellement, le jeu sera plus mature, il n'y aura pas cet effet cartoon, on va dire, de Rise of Kingdoms. Donc pour le moment, on ne peut pas vous en dire guère plus, en fait. À savoir par contre que le jeu sera disponible à une date évidemment ultérieure. On n'a pas le droit non plus de dire la date, on a déjà la deadline, mais on ne peut pas vous la dévoiler. Au niveau du jeu, on peut dire que ça se rapproche d'un des grands pontes du jeu de stratégie en temps réel sur PC. Voilà, c'est le seul truc qu'on peut dire sans dire le nom du jeu. On n'a pas le droit de dire le nom sur lequel c'est basé. Après, au niveau des petites questions ou des petites réponses qu'on a besoin, nous, c'est de savoir, par exemple, comment vous avez découvert Rise of Kingdom. Alors, si c'est par rapport à la chaîne, vous pouvez le dire, vous le direz dans les commentaires si vous voulez, on relèvera tout ça. Savoir donc ce qui vous plaît, ce qui vous déplaît, qu'est-ce qui vous a incité à investir dans le jeu, à mettre des sous, si vous en mettez. Nous, on n'en met pas, mais beaucoup de personnes en mettent. Savoir, par exemple, ce que vous aimeriez voir dans un jeu de stratégie comme Rise of Kingdoms, mais version plus mature, que ce soit au niveau des commandants, au niveau, je sais pas, de la stratégie en open field, ou en défense, en attaque de ville, etc. N'hésitez pas à marquer tout ce qui vous intéresserait. Au niveau des sommes que certains investissent, savoir aussi, donc on mettra une petite fiche, au niveau des sommes, savoir si vous avez mis entre 1 et 100 euros sur le jeu, entre 100 et 1000 ou plus que 1000. Et pour chaque réponse que vous nous donnerez, on relèvera donc le nom de la personne et on fera un petit tirage au sort. Chaque réponse fera en fait un vote, donc une chance supplémentaire de participer à un tirage sur lequel on fera gagner une gift card, en fait, simplement. Par contre, elle sera au choix, ça ne sera pas forcément une de Google. Donc le gagnant choisira la carte qu'il veut par rapport de l'Apple Store, du PSN, etc. Voilà. Le montant sera de 25 euros et vous choisirez le format qui vous intéresse le plus. Et aussi, pour que je puisse vous contacter, n'hésitez pas à mettre un de vos réseaux sociaux dans le commentaire. Voilà, j'espère que comme nous, vous êtes excités par ce prochain jeu qui va arriver. On a hâte de pouvoir y participer. Du coup, on sera évidemment bêta-testeur sur le jeu et on aura très certainement des capacités supplémentaires, on ne va pas dire financières, mais disons qu'on va nous donner des bundles in-game pour pouvoir montrer justement les capacités du jeu sans payer, en payant un peu et en payant beaucoup. Évidemment, on ne va pas mettre d'argent en jeu, mais ce seront évidemment les Tencent et Timmy qui vont nous donner ces bundles pour participer au mieux au bêta-test du jeu. Voilà, sur ce, j'espère que ça vous a plu, que vous êtes content de l'annonce. Et que on va se retrouver pour une prochaine vidéo bientôt. Oui, une prochaine très bientôt. Voilà. Exactement. Voilà. Allez, à très bientôt. Ciao. Rise of Kingdoms.